On va faire l'exercice numéro 3. Monsieur, vous pouvez accepter, monsieur. Oui? Kana habibi dakhlou. Là, mais je suis en train d'accepter. Rien, partager déjà. View all. Voilà. Donc, l'exercice numéro 3. Allez, on va donner un ou deux. Nous avons donc soit le spectre d'un signal AM affiché sur un analyseur de spectre. C'est un appareil qui affiche le spectre d'un signal. On va le placer dans un signal contré. L'appareil là, il me dit le spectre. Donc, il y a un oscilloscope. On pouvait déjà le dire normalement. On pouvait le mettre là, le TP1, TP2, là, je ne me souviens pas ce que le spectre. Sinon, vous allez faire TP numéro 3. Vous pouvez afficher le spectre d'un signal sur l'oscilloscope, malgré que l'oscilloscope soit un appareil vraiment sophistiqué pour faire ça. Il y a un appareil d'accord, l'analyse de spectre. Donc, nous avons un analyse de spectre, l'écran TAO, mais d'un signal. La fréquence est en mégahertz, les amplitudes sont en dBm. La distance d'entrée de l'analyse de spectre est à 50 ohms. On demande la fréquence de la porteuse et celle du signal utile. La bande passante du signal utile. La puissance utile et le rendement de la modulation. L'expression mathématique de ce signal et l'indice de modulation. On va faire étape par étape. La fréquence à la porteuse et la fréquence du signal utile. Bon, pour cela, on a deux choses internes. Voilà la fréquence porteuse, voilà la fréquence signal utile. Bon, est-ce que c'est un signal qui va être à la AM? On vous dit bien, mais il s'agit d'un signal AM. Un signal AM, normalement, vous avez, parmi les composantes TRO, vous avez la porteuse et les deux bandes latérales. Voilà la porteuse, voilà les deux bandes latérales. On ne peut pas voir. Bon, permettez-moi voir que je cherche. C'est là, avec mon Fiji. Le style est là. Parce que même à la mèche sur PowerPoint, donc. Quitter, out. Ah ben, il a fait nécessaire. À chaque fois, j'ai un problème. Ah, des raccourcis. Ok, c'est un raccourci parce que je pense que ça va être une belle date, c'est Rabac. Option. Processeur 100%. Je vais donner les options. Voilà. Voilà, finalement. Ok, mais c'est le raccourci. Zéro, etc. Gamme, et contrôle W. Contrôle W. Bon. On va accepter. Jean, on revient entre TD. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, là, il s'agit bien de la modulation AM. Mais est-ce que c'est la AM? Ça représente quoi? Bon, la AM, c'est forcément la AM. Je le choix. Non, c'est pas la AM. Donc, généralement, la AM, je fais
La porteuse, qui est la porteuse Wahda, et les deux bandes latérales. Regardez, c'est la bande latérale supérieure. Je ne vais pas dire la raie, hein. La bande latérale, donc la bande allée fait deux raies. Ou la bande latérale inférieure fait deux raies. Qu'est-ce qu'on peut conclure, madame Stentijo? Donc là, nous avons deux signaux sinusoïdaux, la somme d'un cosinus lourd, le cosinus deuxième, avec deux fréquences différentes. D'accord. Donc, le signal moduno, c'est un signal composé de deux signaux sinusoïdaux. Mais je suis ouvert. Bon, il y a un exercice, donc, on peut le faire facilement. Bon, on demande la fréquence de la porteuse. Et la fréquence signal utile. La fréquence de la porteuse est directement 100 MHz. D'accord? Maintenant, la fréquence du signal utile. Qu'est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a 105 ou là 110 ou bien. Très rare, je fais une erreur. 105 ou bien 110 ou bien 95 ou bien 90. Ou bien THDFM. THDFM. Regardez. Elle est FP. Normalement, nous avons FP. Plus la fréquence du signal utile, ou FP, moins la fréquence du signal utile. Comme le signal utile, l'ENAIA, il se compose de deux raies. Donc, heavy, il y a FP plus la fréquence de la raie, l'oula, ou heavy, c'est FP plus la fréquence de la raie, deuxième, c'est F2, ou l'oula, c'est F1. Heli, c'est donc FP moins F2, je moins F1, ou la fréquence Heli, c'est FP moins F1. Donc voilà. Il est fermé avec un. Donc le reste, c'est des calculs. Donc nous avons, on va répondre comme ça, FP à 100 mégas, Heli. On doit calculer Heli 2, F1 ou F2. Donc on va aller les deux fréquences à le signal utile. Donc, F2 est égal à quoi? Du doigt, même 110, soit même 90. Hein. Donc F2, on va dire comme ça. F2, c'est FP moins. Non, c'est l'inverse. Hein. Donc c'est 110 moins. Bon, 110 mégas, mégahertz, bien sûr, fois 10 puissance 6 moins FP. Bon, application numérique, c'est 110 moins 100. Le tout fois 10 puissance 6. Vous obtenez 10 MHz. Au F1, il y a 105 moins 100 des FP. Le tout fois 10 puissance 6, vous obtenez 5 MHz. On va voir la bande latérale inférieure. Dans la bande latérale inférieure, F2, il y a 100 moins 90. Au F1, il y a 100 moins 84. Ça vaut le même résultat. 10 MHz et 5 MHz. On va voir la solution propre ensemble. Donc, vous avez, par identification, FP est égal à 100 MHz. Yeah. Maintenant, FP, c'est la fréquence centrale qui est la porteuse. Par identification, FP, pour le signal modulant, entre parenthèses, signal utile, nous avons deux composantes, F1 et F2. Donc, on indique FP plus F1, FP plus F2, FP moins F1 et FP moins F2. C'est un signal qui se compose de deux cosinus, ce sont de deux cosinus. On va calculer le signal comme ça, on trouve 5 MHz pour F1 et 10 MHz pour F2. Le signal modulant, il est comme ça. Ah, voilà le signal modulant. Ah, le spectre est le signal modulant F en MHz. Donc, 5 MHz, ça compose entre le ou là, ou 10 MHz, ça compose le deuxième. Et là, on a un arche, les amplitudes, donc c'est un arche. Mais je suis dans le verre, il y a les 5 MHz, tu as 105, je suis avec Béra, elle est à 110, donc je vais dire que c'est Béra, elle est à 110. Donc, deuxièmement, on demande la bande passante du signal utile.
la bande passante de signal est-il BW. B pour le signal B2T, B le signal est-il par exemple. Donc c'est R, la différence, mais bien c'est bon. 10 moins 5, le tout fois 10 puissance 6. Donc c'est 10 moins 5 fois 10 puissance 6, ça vous donne 5 MHz. Bon, jusqu'à maintenant, mon carte a déjà été difficile. Oui? Monsieur, ta F2, il est plus petit à la F1, sachant que F2 est 10 ou le carré 5. Vous parlez de l'amplitude? T'as le signal modulant, le spectre de fréquence, t'as le signal modulant. Hey, vous parlez de l'amplitude, t'as les deux rayons. Tu m'as laissé la question, parce que je me suis mis à le haut. Allez, je vais dire à l'aide. Oui. Parce qu'on a la clé à l'aide. Voilà. Elle dit c'est FP plus F1 ou elle dit c'est FP plus F2. Donc elle dit à la fréquence, ça correspond à F1. Ou elle dit ça correspond à F2. Donc j'ai pris la clé à l'aide, tout simplement. Mais j'ai dit les amplitudes, monsieur, vous m'avez dit. D'accord. Bon, on doit accepter quelqu'un. Elle va pas bien avec nous. Bon, non. Bon, on continue. Donc, troisièmement, on demande de calculer la puissance utile et le rendement de la. Donc, la puissance utile, numéro 3. Bon, la puissance utile, c'est la puissance de la bande latérale supérieure plus la puissance de la bande latérale inférieure est égale à deux fois la puissance de BL. BL, c'est la puissance d'une bande latérale. Tu as les puissances sont identiques. La puissance de la bande latérale inférieure égale à la puissance de la bande latérale supérieure. D'accord? Donc, la puissance d'une bande latérale est égale à P1 plus P2. P1, c'est la puissance heavy. P2, c'est la puissance heavy. La somme de terme, elle me donne la puissance d'une bande latérale. Bon, comment on va faire ça? Est-ce que je peux directement faire la somme des deux puissances en dBm? Faire la somme des puissances en dBm, ça veut dire que les puissances sont multipliées. Quand on a deux grandeurs en dBm, quand on a deux grandeurs multipliées, A et B, log A fois B, c'est log A plus log B. Règle. Mais si j'ai deux trucs en dB ou là, en dBm, par exemple, je vais une puissance, cette somme à une puissance, maintenant, en dB, je vais avoir la somme. Non, bon, je regarde. Il y a quand même une puissance 1 plus puissance 2, qui dit l'énergie 10 log, j'obtiens pas 10 fois log P1 plus 10 fois log P2. Donc, qu'est-ce que je veux? Je ne peux pas faire directement moins 3 plus moins 6, c'est-à-dire moins 9. Sachant que moins 9, c'est réellement 3 ou moins 6. Hein? La puissance est normalement supérieure, mais c'est inférieur. Ce qu'on va faire, on laisse le choix. On doit passer en watts. On va faire la conversion. On va dire P1, allez, moins 3 dBm. P1 est égal à moins 3 dBm, P1 dB, regardez, j'inquiète, P1 dB, c'est moins 3 dBm. Alors, P1 en watt est égal à 10 puissance moins 3 sur 10. Est-ce que vous avez calculé, c'est quoi? Moins 0,5. Pardon, 0,5. Et comme, regardez bien, comme c'est en dBm, nous avons dit là, milliwatts. Donc, quand je dB, ça me donne 0,5 watts. dBm, donc, c'est pour calculer 10 puissance moins 0,3, c'est 0,5. Donc, c'est 0,5 milliwatts. Bon, la même chose pour... moins 3 dans mon bloc, c'est 3. Moins 3 dans mon bloc, c'est 1,5. Ou moins 6, c'est 0,25. Donc,
P2 en dB, il y a moins 6 dBm. Donc P2, c'est 10 puissance moins 0,6. 10 puissance moins 0,6 ou 0,25. Mais comme un dBm, M est un milliwatt. Donc c'est 0,25 milliwatt, monsieur Watt. Bon, maintenant, comme j'ai les deux puissances, la puissance utile, il y a deux fois la puissance d'une bande latérale. La puissance d'une bande latérale, il y a 0,5 milliwatts plus 0,25 milliwatts. Qu'est-ce qu'on met en 0,75? 0,75 milliwatts, c'est la puissance de la jihad. Tu as une des deux bandes latérales. Donc, je dois multiplier par le 2. Bon, je suis en train de faire l'application numérique. Donc, finalement, j'obtiens 1,5 milliwatts. Ça, c'est la puissance utile. Maintenant, je laisse le rendement, il se met la puissance porteuse. Parce que le rendement ou la puissance utile, c'est la puissance totale. La puissance totale, c'est la somme de la réelle, comme ça. Mais comment on a accepté 4 la puissance utile. Parce qu'on a accepté la puissance utile. Il y a PI sur la puissance totale. Mais on a accepté la puissance utile. Donc, ce n'est pas la peine d'accepter. Il y a la puissance utile plus la puissance porteuse. J'obtiens ça. Donc, je dois calculer la puissance porteuse. Bon, la puissance porteuse, on a 10 dBm. On a là. C'est moins 10, hein? C'est 10. Elle dit moins 3. Moins 3, maintenant 0,5. Moins 6, il y a 0,25. En dB, n'importe quelle valeur inférieure à 1, en dB, elle va être inférieure à 0, donc négative. Négative, je ne sais pas une puissance négative. Hein? Non. En dB, une puissance négative en dB, ça veut dire qu'elle est comprise entre 0 et 1. Donc, elle est pour ça, elle est négative, elle dit c'est 10 dBm. Hein? 10 dBm, on va convertir ça en milliwatts, qui va donner pour les deux puissances d'Ohren. Donc voilà, la puissance utile, non. La puissance porteuse, oui, voilà. Donc la puissance porteuse, il y a en dB, est égal à, c'est moi P indice P, PP, est égal à 10 dBm. Donc la puissance porteuse en watts, il y a 10 puissance 10 sur 10. Donc 10 puissance 1. Donc il y a 10. Mais 10 ou non, mais chez Watt, parce que c'est dBm. Comme dBm, M du bol, bon, il faut pas dire ça, M du bol maintenant. Donc, comme c'est en dBm, le résultat est qu'on en milliwatts. Donc, c'est 10 milliwatts. Bon, on a avec la puissance utile, on a la puissance porteuse. Donc, je peux calculer maintenant le rendement, rho, ou la puissance utile. Mais je vais vous dire, c'est un peu comme ça. Quelle est la dernière chose? La puissance utile, c'est. La puissance utile plus la puissance porteuse. Faites l'application numérique, regardez l'application numérique. 1,5 fois 10 puissance moins 3, divisé par 1,5 10 puissance moins. Non, bon, ça reste moins 3 en facteur. Donc c'est 1,5 plus 10. 10 ou elle 10 milliwatts, la puissance porteuse. Donc 1,5 plus 10, ça fait 11,5. 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 3, alors, tu calcules le rapport entre 1,5 et 11,5. Tu calcules 0,13 ou bien 13%. Ça, c'est rho. Comme je connais le cours, généralement, le rendement en puissance à 1, il est toujours faible. Bon, s'il n'y a pas de questions, je passe à la dernière question de l'exercice. On demande l'expression du signal utile. Bon, le signal utile à 1, on va voir ensemble. Parce que j'ai vu qu'il y a l'expression mathématique de ce signal, oui, donc le signal à 1 et l'indice de modulation. Bon, on va faire ça. Bon, je commence par le signal. Le signal Tana, bon, moi je ne vais pas faire ça à 1 avec le cours directement, bêtement. Non. Il y a un signal qui se compose de 1, 2, 3, 4, 5 cosinus. Mais on a un signal que je t'écris tout d'abord. Donc, le signal TI est comme ça. Donc c'est AP plus. Normalement, c'est comme ça. Et là, on a le cosinus oméga BT bad le tout fois la camel fois cosinus
Oméga, PT. Donc, comme on a un signal modulant qui se compose de deux rayons, deux cosinus. Donc, ils ont un deuxième cosinus. AB, cosinus, oméga PT. Donc, je vais faire les fréquences et les amplitudes. AB1. La fréquence minée est déjà F1. C'est F1, donc il y a normalement oméga 1. Bon, je vais noter ça oméga 1 parce que c'est F1. La fréquence deuxième, il y a oméga 2 parce que c'est F2. Maintenant, il y a soit A2, soit AB2. Donc, je vais noter l'exercice, la solution. Je vais noter A1 et A2. Donc, il y a A1 et A2. Mais allez, c'est juste ce que je vais donc, c'est là, vous avez un signal, un cosinus, une ray, vous allez la deuxième ray. La ray, ça correspond à ça, par exemple. La ray, ça correspond à ça. Donc, le tout fois cosinus oméga pt. Quels sont les inconnus là? N'arf oméga 1, c'est la première, la deuxième, la première question. Je connais oméga 2, je connais oméga p, 100 méga. Alors, comme n'arf, 100 méga, 5 MHz pour oméga 1, pardon, monsieur oméga pour F1, et 10 MHz pour F2. Qu'est-ce qu'il me reste? Les inconnus, vous mettez les amplitudes AP, AB1, ou la A1 ou A2. Pour connaître les amplitudes, nous devons connaître la puissance. C'est la puissance. La puissance, nous devons connaître les tensions. Mais faites attention. Ils ont les signaux, les connecteurs derrière, sous forme de 5, somme de 5 cosinus. Et là, j'ai un D. Non, on a un D produit à des termes. Donc, je dois tout d'abord distribuer un cosinus à la parenthèse. Et je mets le signal AM sous la forme Henry. Donc, par identification, je vais les A. Bon, je suis les A ici. A1, A2, AP. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, quatrièmement, le signal est de la forme Henry. Bon, Donc, le signal a la forme Henry. Donc, AP, A1, cosinus oméga 1, T, plus A2, cosinus oméga 2, T, plus cosinus oméga P. Donc, on connaît les fréquences, les inconnus linéaires, on a les amplitudes. Donc, je distribue le cosinus sur les parenthèses, on obtient ça, elle va aligner. Je calcule le produit des cosinus, ou pour le premier produit, il me donne ça. Le deuxième produit, il me donne ça. En fait, j'ai utilisé cos A fois cos B, c'est 1 demi cosinus A plus B, plus 1 demi cosinus A moins B. Bon, le premier terme, Kamel, il y a qui m'a l'air. Voilà, on obtient ce signal-là. Et le signal, je peux maintenant le comparer avec le spectre de l'année. Parce que là, on a vraiment les 5 rayons. Donc, elle est où là? Tu as 100 mégas. Elle est 105 MHz. Elle est 95 MHz. 110 MHz. Ou 90 MHz. Bon. Est-ce que AP est 10 dB? DBM, en dBm, oui. Est-ce que AP est dBm? Non. Parce que LH, elle sont des tensions. Des amplitudes, ou les autres, c'est-à-dire sur le spectre, ce sont des puissances. Les valeurs là, sont des puissances. Donc, je ne peux pas directement relier même les deux. Ce qu'on va faire maintenant, on doit calculer les tensions à partir des puissances lambda. Ce qu'on va dire, regardez, il y a un peu de temps. Bon, on va faire des benches. Donc, nous avons nous avons les cinq termes de spectre. Les cinq termes de spectre. Donc, la puissance de la porteuse, il y a 10 dBm. La puissance de la porteuse, il y a 10 dBm. Est égale à quoi? Elle est la porteuse. Voilà. Donc, c'est AP au carré sur 2R. R, c'est la résistance d'entrée de l'appareil, il y a 50 ohms. Bon, on a c'est le calcul de la puissance. Et là, je cherche quoi? Je cherche AP. Mais n'arrive la puissance de l'arrêt. Il y a 10 dBm. On a 10 milliwatts.
Donc, on va faire AP est égal à racine carrée de 2R fois P porteuse. Je remplace R par seconde ohm, la puissance porteuse par 10 milliwatts. Donc, ça me donne 1 volt. AP est égal à 1. Et voilà, ça revient à AP. On va faire la même chose pour les deux bandes latérales. Donc, on va écrire P1, c'est la puissance de ce signal-là. P1, il y a moins 3 dBm. Moins 3 dBm, c'est 0,5 milliwatts. Bon, est égal aussi à la puissance TAD. C'est la même puissance. Les deux sont à moins 3 dBm. D'accord? Donc, on a un mot dBm. C'est pas un problème. Je vais faire ça avec un mail. P1 est égal à quoi? Est égal à l'amplitude au carré. Il y a 1 sur 2 le tout au carré sur 2R. Ça me donne 1 au carré sur 8R. Alors, 1 ou 1 est là. En fonction de R et P1. P1, c'est 0,5 milliwatts. Voilà, avec tout bien derrière. On remplace. Donc, 8 fois 50 fois 0,5, 10 puissance moins 3, c'est bon, 0,44 volts. On termine avec A2, on va faire la même chose, donc on est plus volume là. P2, la puissance P2 de l'IA en dBm moins 6 dBm est égale à la puissance d'un de terme ou bien la puissance d'un de terme. On a la même puissance parce que c'est la même amplitude. Bon, c'est la fréquence pas qui est différente. Hello, la puissance de la 6 dBm. Les deux risques sont les côtés. On va faire la même chose. Donc, voilà, P2, c'est la puissance, par exemple, tu as le terme. Là. C'est l'amplitude au carré. Il y a le carré. A2 sur 2, le tout au carré, divisé sur 2R. Ça me donne ça. A2 est égal à racine carrée de 8RP2. Je remplace. Donc R par seconde ohm, la puissance par 0,25 milliwatts, déjà. Je trouve, j'obtiens, A2 est égal à 0,31 volts. Maintenant, connaissant A1, A2, ou AP qui est égal à 1 volt, je remplace dans l'expression de signal, l'expression avec Lou et la Camel, j'obtiens ça. Donc, il y a un des A1, pardon, AP, la porteuse, Harry, c'est A2, Harry, c'est la fréquence, c'est le signal, la fréquence F1, le signal modulant, Harry, c'est A2, donc, écoute comment dit A1, 0,44, c'est A1, 0,31, c'est A2, Harry, c'est la fréquence, ta signal, la fréquence F2, ta signal modulant, il y a 10 mégas, 10 puissance 7. Et finalement, 100 MHz, c'est la puissance, c'est le signal porteuse. Alors le signal AM, et tout va bien. On fait le cours, mais je suis naturel. Le cours, les exemples d'Armel, donc un signal sinusoïdal. Ou le dernier, on a déjà, donc B2T quelconque. On a un signal B2T quelconque. Sinon, c'est une forme un peu plus simple d'un signal. Bon, regardez, on un signal modulant. Quand on a M, l'indice de modulation, par définition, c'est le maximum de B2T sur AP. Le maximum de B2T, c'est le maximum de KML. Donc, le maximum possible de c'est quoi? C'est la somme de les deux amplitudes. Maximum de 0,44 cosinus plus 0,31 cosinus. C'est cosinus l'eau, il est égal à 1. Le cosinus deuxième est égal à 1. Sinon, n'importe quelle autre valeur, tu as comme une valeur inférieure à 0,44 plus 0,31. Bon, il y a qu'un cosinus deuxième négatif, vous obtenez 0,44 moins 0,31. Il y a qu'un cosinus égal à moins 1, c'est négatif, moins 1. Il y a qu'un cosinus deuxième est égal à 0, vous obtenez 0,44. Il y a qu'un cosinus deuxième est égal à 1,5, vous obtenez 0,44 plus 0,5 fois 0,31. Donc, maximum possible, tu as les deux termes, la somme de la somme, c'est l'amplitude à l'oul fois plus 1 plus 0,31 fois plus 1. Vous obtenez 0,75, donc c'est 75%.
Ça, c'est l'indice de motivation. Bon, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? 11h42. C'est clair? Bon, voilà, un petit exercice, oui, ce n'est pas vraiment un exercice classique. مش كيما داك حبيت نبدل لا بارابور سي با لا بين عاود واش درنا في الكره عاود في تيلي انا سي كيكو شوز ان بو دو ان بلوس ان بتي بلوس كوم سا سي با دو كيستيون بون بروبليم سي كو تيلي يمشي رابيد بارابور على طابلو باسكو كلشي راه مخدوم لا سوليسيون واجده بون جو فو لاس لو سوان دو لير اي دو فير ليكزيسيس نيميرو 4 جامي درتو انا في تيلي دونك لا سوليسيون عندكم اي ماشي راح نخدمو C'est que c'est simple. Il me fait un chou là, il peut m'envoyer un email. La solution est voilà. Voilà. Je vais faire. Bon, je vais dire, maintenant, 5. Bon, 5. 5, 6 que je dis. Bon, 6 semaines, je vais faire deux fois. Okay, là. Mais toujours, j'ai le problème avec les étudiants, avec le transistor fait avec ma carénage, l'ampli opérationnel. Toujours bien marré, n'est-ce pas? Apparemment, c'est le même cas pour vous, Malabelish. Je crois que vous m'avez dit. Bon, le fait est que je m'en ai tous. Mais je vais expliquer rapidement. C'est-à-dire, ça a la partie work. Je peux expliquer, mais on dirait 3 ans, là, je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais fait l'exercice. Ça fait 3 ans, le chrén, là, là. Je vais m'en deux fois, là. Même m'en rappeler toujours, je vais m'en rappeler, je vais m'en rappeler. Donc, si apparemment, on ne peut pas le faire, il y a une solution, vous avez la solution. Mais pour l'examen, vous n'aurez pas ni les transistors à effet de champ, ni les amplis opérationnels. D'accord? Peut-être traduire la pour ça, l'exercice 7, 7, 8, 8. Bon, on va faire le cas numéro 5. On passe le 8 ou le 9. وسات نخلوه لا بروشين فوا وسات يدوموندي شويه خدمه يدوموندي الوقت لازم نخدمو غير بالعقل طويل شويه اي فوالا وا كومونسي بار ليكزيرسيس هذا هو 5 وصلنا بون اون فو دون لو شيما بلوك سي دوسو شيما بلوك سويفون سي كونتر بور فو سي كونتر قابلكم سو شيما بلوك ريبريزونت ان موديلاتور دونبليتود افيك بي دو تي est égal à A cosinus 2 pi F0 T. P de T, c'est quoi? C'est ça. Donc, elle est la porteuse. M de T est égal à B fois X de T. C'est un signal modulant avec X de T inférieur est égal à 1. Donc, X de T, ماشي ما يكونش يقدر يكون زعما بون فادي زعما كيما ان كوسينوس كوسينوس اوميغا بي تي دونك سي ان سينيال كي انفيريور تي غالا ملتيبلي بار لومبليتود تاعو بي بي دونك لهنا است ماشي كاتبينها واقيلا دونك هو بي لهنا سي كونستون بي سي لومبليتود تاع الام دو تي كاش هو انا كاتبين هكذا بي فوا كوسينوس اوميغا بي تي واش ما انت بصح سينيال اش كاتبينه هكذا اش كتب كوسينوس نو سي با ان سينيال سينيزويدال لهنا هذا سي با سينيا سينيزويدال سي سينيا كيلكونك جي هكذايا هكذا فوالا دونك من لهنايا سي اكس دو تي ميتيبلي بار ان سيرتان بي البي هو لومبليتيود ماكسيموم شغل اذا كان هذا ان فولت من لهنا سي ان فولت الي ميتيبلي باغ اكزومبل بار دو تما من لهنا تولي دو فولت سي امبليفيكاسيون دونك سا سي لو سينيال تما دو فوا تخربيش هذا راه لداخل تخربش ما عندوش اكسبريسيون باش نسيها كيلكونك دونك سي اكس دو تي كاريمون اون فوالا سي كوم سا كون ريبريزونتي كون سادير ريبريزونت ولا كون بو بريزونت شوف كون بو بريزونت اكزرسيس باش نهضر اون بريزونت اكزرسيس افون دو بارلي دو سيركوي نون لينيير اون فوا بارلي دي كومبوزونير من الداخل هذا سي سوماتور اديسيونور دو تونسيون يدير لا سوم تاع واش كاين لهنايا مع واش كاين لهنايا عندنا une entrée non inverseuse, une entrée non inverseuse. Ça veut dire la tension qui est qui marche avec un signe plus. Bon, c'est un transformateur, l'additionneur. C'est un diviseur de fréquence.
il divise la fréquence du signal, les rangs flottent à l'intérieur. La sortie, la fréquence du signal, elle va être divisée par deux. On a un filtre passe-bande, un composant non linéaire. Le composant non linéaire, il est caractérisé par l'équation A fois VE puissance 3. Ça, c'est VS. VS, il y a la sortie. VE, c'est l'entrée. Ça veut dire la tension lorsqu'on fait l'entrée, elle va être mise à la puissance 3 et multipliée par une constante A. On demande l'expression des signaux VE et VS. VE, voilà, VE, voilà. Et VS, c'est la sortie du composant non linéaire. Bon, on va faire ça ensemble. Bon, pour cela, regardez, de VE. Donc, VE, c'est quoi? C'est M2T plus E2T. C'est un additionneur, il fait la somme. M2T avec un signe plus, E2T c'est avec un signe plus. Maintenant, je vais vous dire, plus M2T, plus, je vais parenthèse, plus E2T. Je vais la parenthèse. Donc, et plus, machin de quoi? Donc, c'est M plus E. Ou E, c'est quoi? Parce que, bon, M plus E, mais machin de E. Le E, c'est P2T, mais avec la fréquence divisée par 2. P2T, quand elle passe par le diviseur de fréquence, donc la fréquence de H, elle va être divisée par 2. Ça veut dire que nous avons dit F0 sur 2. Donc voilà, c'est là. On va faire ça. Je vous vois la solution ensemble. Bon, exercice numéro 5. Numéro 5, voilà, voilà. Donc, je commence par, regardez, VE, ou M plus E. Ou M, c'est B fois X de T. On va faire M. E de T, ou la porteuse, mais avec la fréquence divisée par 2. Pardon. C'est la sortie, c'est le diviseur de fréquence. VS, maintenant, il a calculé VE et VS. VS, c'est A fois VE puissance 3. Sachant que VE, il y a l'expression T, donc c'est A fois tout ça à la puissance 3. Bon, maintenant, pour calculer ça, il se met heavy. A plus B puissance 3 est égal à A puissance 3 plus 3 fois A carré B plus 3 AB au carré plus B puissance 3. Bon, l'examen, imaginez, je ne sais pas si vous comme ça. Je ne donne pas ça pour l'examen. Comment vous allez calculer ça? J'ai mis un petit peu de copier. Bon, c'est une solution. A plus B au carré. Téléphone, Google, etc. Bon, sinon, vous pouvez toujours faire comme ça. A plus B, le tout au carré, multiplié fois A plus B. Donc, ça vous donne A carré plus B carré plus 2AB. Tardons de l'ordre, t'as boire la partie, t'as boire, ça va te remplacer, t'as boire, t'as boire au carré. On va multiplier fois lui-même pour obtenir une puissance 3. T'as de l'ordre, si un autre d'être en fonction de A, il va être bâché le vote. À l'aise, parce que quand il y a des calculs, marche de l'ordre. Le ou le carré plus 2 au carré plus 2 fois AB, moi j'ai dit tout ça à A plus B. D'accord. Mais tu peux, avant de remplacer, avant de faire ça, on calcule. Le calcul, il vous donne l'expression. Avec A puissance 3, vous allez distribuer comme ça. A puissance 3 plus B puissance 3 plus 2A carré B plus 2AB au carré. Donc, vous obtenez ce qui est écrit ici. Donc, là, je vais utiliser ça allez, directement. Donc, j'obtiens ça. Et là, il y a l'A. Tu vas me dire, l'A ou A. Là, B fois X de T. Ou le B ou là. Mais je vais me dire, je vais me dire B puissance 3. B puissance 3, ça veut dire cosinus puissance 3. Bon, allez-y. On remplace, on obtient ça. Là, je vais remplacer, parce que je vais me dire, je n'ai fait aucun calcul. Et là, je vais remplacer, donc j'ai le A puissance 3, 3 fois A au carré, A le A au carré, fois B, plus 3 fois
petit 1 fois b au carré. Où le 1 c'est la constante. Je suis le 1 qui voit cosinus a plus b. Il y a donc des cosinus alpha plus bêta. Parce qu'on a déjà a et b. A et b sont les constantes. Il y a une déjà chez ma tête. Plus le b puissance 3. Bon, qu'est-ce qu'on doit calculer? Regardez. X puissance 3, mais on ne peut pas le calculer. On a le X, l'expression là. Il y a qui mal. X puissance 3, c'est un signal inférieur à 1. Il y a qu'un X inférieur à 1, puissance 3, c'est toujours inférieur à 1. Z. Il y a un des cosinus fois, A, fois X au carré. Il y a un cosinus au carré, il y a un cosinus puissance 3. C'est ce qu'on doit calculer. Le cosinus au carré, c'est donc c'est 1 demi plus 1 demi cosinus deux fois le contenu de la cosinus. Ça nous donne quoi? On a changé derrière. Bon, on a un bon, cosinus au carré, c'est un calcul de résultat directement. Et là, j'ai fait le calcul derrière le terme. Regardez, cosinus puissance 3, derrière. Donc, on a un hasb fi hada. Hasb wahdo. Voilà, je vous conseille même l'examen de faire ça. Une fois j'ai le résultat, on va nous le VS pour remplacer. Les gens vont dire, j'ai dit, il va dire, à chaque fois, il va dire, non, vous allez perdre énormément de temps d'écriture. Non, je ne dis pas. Une fois je trouve le résultat final, on va nous l'injecter là. De même pour ça, même là, déjà comme ça, je suis bien là. Ou bien, wahdou, cosinus au carré est égal. Je fais le brouillon, la manière que j'ai fait double feuille, voilà, en deux lignes. On va dire, voilà, je remplace cosinus au carré et cosinus puissance 3 dans l'expression de BS. Bon, nous avons cosinus puissance 3, donc, cosinus, là, fois cosinus au carré. Mais là, je choisis, on ne peut rien faire. C'est cosinus fois cosinus au carré. Et cosinus au carré, là, c'est 1 demi plus 1 demi cosinus deux fois. Donc, on dit F0 sur 2, tout dit F0, tout simplement. J'obtiens ça. Maintenant, je dois multiplier ça par cosinus deux fois F0 sur 2 fois T. Donc, ça me donne 1 demi fois ça. On va être cosinus A fois cosinus B. Cosinus l'ensemble plus cosinus la différence. Donc, 1 demi cosinus 2 pi F0 T. On va être 1 demi fois. Donc, 1 demi cosinus l'ensemble, on a un quart, plus 1 demi fois 1 demi cosinus la différence, on a un quart. Donc, cosinus l'ensemble, c'est F0 plus F0 sur 2, 1 plus 1 demi, c'est comme 3 sur 2. Et voilà. Au cosinus de la différence, il y a F0 moins F0 sur 2. Tu vois comme F0 sur 2. On obtient ça. Qu'est-ce que nous avons fait? On a F0 sur 2 la fréquence. La fréquence, c'est F0 sur 2. Donc, je peux faire la somme de cosinus, mais le cosinus, c'est 1 quart plus 1 demi. Ça donne 3 quarts. Ça me donne ça. Bon, le terme là, il reste tel qu'il est ici. Voilà le cosinus puissance 3. Donc, une fois j'ai ce résultat-là, je le remplace ici. Ça veut dire qu'il va être multiplié par A fois petit a fois grand A puissance 3. Finalement, on obtient ça. Le cosinus au carré, comme il est simple à calculer, à la fois, donc je n'ai pas vraiment... En cosinus au carré, ou là. Bon, je t'ai dit déjà, mais en cosinus puissance 3. Parce que regardez, c'est les mêmes termes. Là. Cosinus 2πf0 sur 2t, le tout au carré. Ou là, cosinus 2πf0 sur 2t, le tout puissance 3. Donc, là, la première étape, où nous avons dit, là, le cosinus au carré. Là, où calcul de là. On remplace là, là. On remplace cosinus puissance 3, là, c'est bien, là, c'est bien. On le remplace ici. Bon, on va trouver. On trouve ça. Donc, après simplification, maintenant, c'est bon.
Ça veut dire que ça veut dire les consignes, les kif-kif du manam. On trouve les termes, donc, hada, bon, avec un monsieur le même terme, hada, ou hada, en cas de jeu, consignes sur carré, ou hada, les deux termes, tu as consigné puis on se travaille. Bon, hadja, une petite remarque, hada, c'est produit. Hein. Donc, hada, il est multiplié ici. Donc, je t'arrête. Donc, machine, donc, non. Face à la première question, on demande maintenant quelle est la condition sur le filtre passe-bande pour obtenir un signal AM néer pour la sortie. Donnez alors l'expression de ce signal AM S2T. Bon, quelle est l'expression, quelle est la condition sur ce filtre-là? Qu'est-ce qu'il va filtrer pour obtenir l'AM ici? Bon, regardez, ici, à gauche, le signal obtenu, après le filtrage, plus la porteuse. Ça veut dire quoi? L'AM, les deux bandes latérales, plus la porteuse. Maintenant, la sortie à le filtre, maintenant, la porteuse. La porteuse, on doit l'additionner à la carte. Maintenant, la sortie du filtre passe-bande, on doit récupérer les deux bandes latérales. Même bête, zidlem la porteuse pour obtenir la AM et S2T. Khalas, qui n'a pas fait la Kamel? Elle est belle, je suis en le filtre. Le filtre, il supprime Kamel. Il doit supprimer toutes les raies à part les deux raies latérales. Les deux latérales, je c'est le signal modulant multiplié par la porteuse. Bon, c'est même là, je goûte. Le signal modulant fois la porteuse. Je n'ai pas dit oméga P plus oméga B, oméga P moins oméga B. Allez, maintenant, je le signal modulant, mais avant, expression théorique. Je ne connais pas son expression ni sa fréquence. Donc, quand je sais, les deux bandes latérales, généralement, moi, je n'ai moins le B de T. Ah oui, les bandes latérales. Le B fois le P. Les bandes latérales, c'est cosinus fois cosinus. Il te met maintenant cos. La somme et cos la différence. Cos FP plus FB ou cos FP moins FB. Comme on a un FB là, donc on doit trouver ça. B de T fois la porteuse. Ça veut dire que nous avons un signal direct derrière. Bon, j'ai B. On a un signal X de T fois B. Donc petit B. Donc X de T fois cosinus 2 pi F0 T. Je suis F0 sur 2. Bon. La porteuse de la fréquence est F0. Donc, ils ont le terme. Le terme, ils ont mis par le filtre passe-bande. Le reste, il va être éliminé. Même bête, le terme, nous sommes avec l'addition de là, nous sommes à la porteuse. Qu'on finisse depuis F0T. Et j'obtiens finalement la AM. Et il y a les deux bandes latérales et la porteuse. Donc, à deux chevaux. Pardon. À deux chevaux, on va revenir à notre signal. On va observer le signal. Et chercher où il y a les deux bandes latérales qu'on doit les filtrer. Bon, moi, je dis un spectre, évidemment. Malheureusement, moi, je dis un spectre. On peut le faire sans spectre. C'est un truc de le spectre, mais même spectre, la fréquence d'un signal modulant, oui. On ne peut pas le faire, oui. On ne peut pas le faire. Bon, finalement, voilà. Un signal tel. Il y a. Ce que je vais faire, dans le cas. Donc, ce que je vais faire, chercher les deux bandes latérales. Bon, regardez, c'est quoi? X puissance Starwa, c'est le signal modulant à la puissance Starwa. Ça n'a aucune utilité pour la modulation AM. L'AM a un signal modulant à la puissance Starwa, n'est-ce pas? Le deuxième terme, c'est quoi? C'est le signal modulant au carré, parce que le signal modulant X, donc X au carré, signal modulant au carré, fois la porteuse avec une fréquence divisée par deux. Kif-kif. Bon. Je l'ai là. Donc, il y a des constantes, mais je cherche quand même le faire. Même là, mais je cherche les constantes. Donc, on parle des signaux. Les signaux, tu as X de T, signal modulant. La porteuse, il y a cosinus 2π F0 T. Donc, il y a des constantes fois X de T. Ça, c'est le signal modulant qui m'a là. Bon, kif kif, ma sacoche.
بون زيد شنو هادو كامل دي كونستانت عندي x دو تي فوا كوسينوس دو بي اف 0 تي او سي كوا سا ريغاردي سينيال موديلو فوا لا بورتوز هاد لو تيرم هو اللي يسحقو هاد لو تيرم اللي ريبريزونت لي دو بوند لاتيرال اذا كان زعما اذا كان لو سينيال موديلو هو كوسينوس اوميغا بي تي هنايا اش بي اوبتينير كوسينوس اف 0 بلس اف بي كوسينوس اف 0 موان اف بي بيان سور فوا دو بي تي باش نهضر فيهم باش نعرفوهم خلاص دونك لهنايا جي لي دو بوند لاتيرال اسكو عندي لابورتوز باسكو علاش كون كاين لابورتوز ان فيتا باس بوند ما يقدرش يفيتري لي لي دو بوند لاتيرال وحده يخرجهم ويسيبريمي لابورتوز ديال في الوسط خرجوا معاهم اندوا فيريفي اذا ما كانش بصح عندنا لاديسيونور كي ابا اجوتي لابورتوز اون فيري ما خسرين والو هذه سي كوا كونستانت كوسينوس دو بي اف 0 سور 2 هذه سي لا فريكونس تاع لابورتوز ديفيزي بار 2 ماشي لابورتوز هذه هذا لو تيرم ماشي جوز وهذا سي 3 فوا اف 0 سور 2 كيف كيف ماشي لابورتوز دونك في تي باس بوند اي دو ليسي باسي هذا لو تيرم اي سي فيزابل باسكو علاش ما عندناش ان فريكونس اونتر entre les deux bandes latérales. Ma question, parmi les termes كامل, soit du كبار, soit du صغار على هذا. OK, quand je vais on dessine le spectre تاع هذا. Bon, بيناتنا قال voilà. عندي لهنايا la fréquence signe modulant هي FB. Si je fais le tracé تاع le spectre, il y a هذا. OK, عندنا le premier terme هي FB puissance 3, puissance 3 تعطيني 3 fois FB. من بعد هنا عندنا اف بي او كاري فوا كوسيني بعد شويه هذا كومبليكي عندنا 4 ترم هنايا كاين 4 ترم بون اتر اوتور دو لا فريكونس اف 0 سور 2 اف 0 سور 2 فشوال لهنايا لي ترم يجيو كذا من بعد عندنا هذا ساسيو سي موديلو اف بي يجي هنا من بعد لي دو بون لاتيرال اوتور دو اف 0 مش اف 0 سور 2 ولا اف 0 صافي اف 0 ولا فريكونس هذه قلنا هي اف 0 سور 2 من بعد لي دو ديرني تيرم وحده هي اف 0 سور 2 دونك سي لا بورتوز ديفيزي بار 2 هكذا والاخر سي ان دومي مش ان دومي اي دومي 1.5 فوا اف 0 سور 2 صافي دير هي اف 0 بلس نص تاع اف 0 جايه كيكو بار هنايا بعيده شويه كيكو بار هنا لي دو بون داتيرال تاعنا هما هاد الزوج ريغاردي ما كاين والو ما بيناتهم Je peux utiliser un filtre passe-bande qui fait comme ça, qui fait ça. Et élimine. Comme les termes, je vais vous donner les deux. Je vais vous donner le schéma. Donc, qu'est-ce que j'ai à la fin d'ailleurs? Il faut calculer là, calculer S2T. On doit calculer ça. Ou S2T, c'est quoi? C'est le signal des deux bandes latérales. Le signal S2T, les gouttes, il doit rester plus la porteuse. بون نتفهموا على حاجه لو كان نحبس هنايا جبتي اكوا كان تيب دو موديلاسيون كان نحبس هنايا برودوي تاع لي دو بوند لاتيرال بي فوا بي سام دون لا دي اس بي دونك هذا كيما راهو هكذايا يقدر يكون بون هكذايا يقدر يكون ان موديلاتور دي اس بي داكور مانتينو بور ترانسفورمي سو دي اس بي اون ام نعاود نجيب لابورتوز تاعي من هنايا ونانجيكتيها في ان ديري اديسيونر وهذا كامل باسكو عندي لهنايا ان كومبوزون نون لينيير اللي عنده اون فونكسيون ترانسفير في او بيسونس 3 ماشي كيما شفنا في الكور دونك في او كاري باغ اكزومبل بلس في او بلس بلس ان كونستانت دونك نجي لهنايا و تيرميني ليكزارسيس دونك بور برودوي اون دير كوم سا بور برودوير لا ام il faut que le filtre passe bond يعني laisse le terme qui contient le produit x de t fois cosinus de pi f0 t. Donc, il y a les deux bandes latérales. Donc, le terme est là. Ce terme. Avec la constante, bien sûr, la constante d. Quelle est la constante là, d. Mais le terme est arrivé à qui m'a. Donc, pour cela,
il faut supprimer toutes les autres termes. Bon, c'est faisable avec le filtre passe-bande. À la sortie du filtre, le signal se met VS prime de T, donc est égal à ça. Le terme est égal à ça. Ça, c'est le signal à la sortie du filtre. Donc, le filtre passe-bande doit posséder une fréquence centrale F0. Donc, le filtre passe-bande est un as, une fréquence centrale F0. Il est concentré sur F0. Quand une bande passante, il est dépassé un peu, dépassé légèrement la bande passante, tu as signal TNL, les voies, bon, ben, dresh. Donc, voilà. Et donc, par exemple, la fréquence, tu as signal FB. Donc, la bande passante, tu as le filtre TNL, tu as dépassé légèrement deux fois FB. Bon, finalement, S2T, Rahikon, VS', et avec le terme Khalena, plus la porteuse. Donc, VS', la porteuse est Hadi. Donc, je vais écrire la MTI, je mets cosinus 2pi F0T en facteur. Il me reste un A ici, plus l'amplitude Hadi. Plus l'amplitude. Donc, on met le A. J'ai corrigé. Oui, c'est un carré. Je te fais un mot. Parce que moi, j'ai mis le stylo. On sait jamais te le faire comme là. Parce que moi, le coup c'est-à-dire, l'écriture. À la main, bah, j'ai corrigé avec, là, j'ai corrigé avec sur le fichier directement. Donc, ça, c'est A au carré, ou un A. D'accord? Donc, là, j'ai mis A en facteur, mais attendez. Hein. Oui, allez, là. J'ai mis A en facteur, là. Il y a, donc, là, il me reste un A. Ou là, il y a un A. D'accord? Il me reste comme un A, parce que c'est A au carré. Donc ça, c'est le signal AM. On a bien donc, la forme d'un signal AM. Quel est l'indice de modulation? Donc, hein? Okay, par curiosité, normalement, on demande l'indice de modulation parce qu'il y a qui nous sont là, on devine, voilà, le M. Le M, c'est un peu, normalement, un peu, et voilà la partie. Voilà, le style M, normalement, là. Parce que là, c'est B2T. Bon, ok, je vois. Donner l'expression de S2T. Bon, mais je vais vous dire. Donc, la dernière question, déterminer, voilà, déterminer l'indice de modulation, K, K, parce que voilà, M est utilisé quelque part. Oui, M2T, c'est le signal, modulant. Donc, l'indice de modulation, c'est K. Bon, généralement, l'indice de modulation, par exemple, en standard, MA pour la AM, MF pour la FM. Donc, déterminer l'indice de modulation si A est égal à 1, A2 est égal à, petit a est égal à 2 et B est égal à 0. Ça veut dire qu'on va faire l'application numérique. Bon, tout d'abord, qu'est-ce que je dis le M, le K chez M. Donc, nous avons les données. Voilà. X2T est inférieur ou égal à 1. A est égal à 1, petit a est égal à 2 et petit b est égal à 0,2. Par définition, m, c'est le maximum de la grandeur Hadi. M, c'est maximum de b2t divisé par l'amplitude. Et non, l'amplitude, tu as la porteuse. C'est maximum de b2t sur ap. NR, ça reste ap. Qu'est-ce que ap, ça veut dire la grandeur Hadi, il y a B2T sur AB. Les voies A. Parce que j'ai A en facteur. Sinon, quand on dit A au carré, je dois diviser par A. D'accord? Donc, j'ai déjà mis A en facteur. Donc, c'est la grandeur, c'est le terme, il représente B2T sur A. Donc, le maximum de B2T sur AB, c'est le M. Donc, M est égal à 3 fois, parce que c'est des constantes, hein, 3 fois A,
petit b fois grand a sur 2. Donc, quand on dit constante, il y a un maximum fois le maximum de x de t. Le maximum de x de t, c'est quoi? Voilà. Le x de t, il est majoré par 1. Donc, 1. Je remplace petit a, petit b, grand a. Bon, elle a aussi grand a, non? Non, c'est le quoi? Parce qu'on a qu'à l'appel L1, c'est le maximum de x de t, mais je vais le faire. Donc, là, le 1, ça représente grand a. Ou à 1. Bon, je calcule, je trouve 0,6. Bon, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Là. Bon, on a comme un petit peu la représentation du signal. Et dire à peu près work. Ça, c'est le spectre de la modulation. C'est bon, MAP sur 2, 0 par 1. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis merci pour votre attention. Sahaf.com en avance. On se voit donc au mois de mai. Il nous reste 24 semaines. Mais 3 séances, on va essayer de vous le faire. Donc, on va faire plus de séances. Donc, on a le temps pour terminer le programme à l'aise. Allez, au revoir. Merci, monsieur. De rien.